aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog, voilà, pour mon mois de décembre au Cameroun. Donc là, on est sur ma dernière journée sur Paris. Donc on était parti à Aéroville pour faire des petites emplettes, hein. Vous connaissez déjà les courses de dernière minute, ce n'est pas très bien, ça montre que j'étais pas très organisée, mais voilà, c'est comme ça. Là je vous montre mes ongles, hein. Je suis trop fière de moi, je recommence à faire mes ongles moi-même. Je profite des décos de Noël, on est parti chez Auchan, chez Kiko, j'ai profité des soldes et là c'est le jour du départ. Donc j'ai pris SN Bruxelles, donc là j'ai mon vol de connexion à Bruxelles et par la magie du montage on se retrouve à Baganté. Donc je fais un petit stop pour admirer le coucher de soleil en direction de Yaoundé. J'ai pas pu vous filmer ce que je faisais à Yaoundé, mais c'était pour le travail. J'assistais à un séminaire pour les agro-industriels dans le domaine de la filière cacao café. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis dans le café. Et donc là, je vous montre les jolis paysages. Donc là, c'est le retour à Consamba. J'avais décidé de reprendre une marche, en tout cas de me remettre au sport piano piano, doucement doucement, parce que ça fait plusieurs semaines que je ne suis pas allée. Donc là, je reprends mon sentier, mes petites habitudes que j'ai délaissées pendant quelques mois, hein, où je n'étais pas là. Et je profite de la vue, je marche, j'écoute de la musique, les oiseaux. Et donc là, toujours pour le travail, hein, mais je profite pour vlogger un peu. J'avais une formation à donner dans le domaine du café, forcément, à la LVB, qui est à Bana. C'était une espèce de complexe hôtelier type resort où vous pouvez avoir plusieurs activités, donc vous pouvez faire du tennis, badminton, il y a des karaokés, il y a un club. D'ailleurs, on fêtera la fin de l'année là-bas. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Les repas sont très bons, le cadre est magnifique, il ne fait pas chaud. C'est vraiment un endroit que je conseille à toutes les personnes qui veulent découvrir le Cameroun et notamment l'ouest du Cameroun, qui est pour moi la meilleure partie du Cameroun à découvrir. Suis-je impartiale? Je vous laisse décider. Donc là c'est moi dans ma petite robe jaune, quelques heures avant le début de ma formation. Ma formation a d'ailleurs duré 8 heures. Donc à la fin de la journée, j'étais rincée. Parler comme ça toute la journée, c'est tellement fatigant. Je me demande comment font les profs. Donc là, je vous montre un peu à quoi ressemble la LVB. Dans cet étang, vous pouvez pêcher. Vous pouvez pêcher votre poisson et on vous le grille, on le prépare pour vous. Il y a très peu de personnes qui le savent, mais c'est une info que je lâche là comme ça pour les personnes aficionados de chair fraîche. Vous pouvez pêcher votre poisson à la LVB. Là, je déguste mon petit cocktail à la papaye. J'en profite. Petite pause. Et là, c'est moi qui conduis pour rentrer à la maison. D'ailleurs, vous avez vu mon frère et ma mère dans la vidéo qui m'ont accompagné ce jour-là. Et je vous montre le petit paysage sur la route. Et si vous entendez les oiseaux, encore une fois, quand je fais mes audios, c'est parce que je fais mes audios dans le jardin. Il y a trop de gens chez moi. Là, à Douala, je vous montre en fait la journée qui a précédé notre expédition sur l'île des singes. Donc, on est arrivé une journée avant pour être là tôt au départ de la pirogue qui était quand même à 7h du matin. Donc, toujours accompagnée de ma team, hein, toujours avec ma famille. Je suis entourée que de ma famille au Cameroun, personne d'autre. Et donc, ils sont partis manger des écrevisses, des gambas au port. Là, on est le lendemain, départ pour l'île des singes. Et bien évidemment, un Camerounais n'est jamais à l'heure. Ils sont arrivés avec une heure de retard. C'est vraiment des trucs qui m'agacent au plus haut point. Bref, on est une dizaine sur la pirogue. Il y a des Canadiens, il y a des Suisses, il y a des Américains. Une belle petite team. Dès qu'on quitte l'île, on constate que plus personne n'a de réseau. Donc, ça nous permet d'échanger, de rigoler, de parler. Ça a été une journée vraiment magnifique. Je vous spoil quand même, mais c'était vraiment une journée magnifique. Ceux qui veulent découvrir le Cameroun, je vous invite vraiment à aller faire cette excursion. Déjà, on arrive, les singes. Là, franchement, la vidéo, ça rend pas justice à la taille des singes. Ils étaient balèzes, énormes, agité, ça prenait des pierres de la terre, ça nous les balançait dessus. Un moment, je me prends littéralement une boule de terre en pleine face.
Mon t-shirt blanc était rempli de terre, ma casquette était remplie de terre. J'étais choquée de la violence de ces singes, moi qui pensais qu'on allait pouvoir les toucher. C'est vraiment des animaux sauvages. Et bien sûr, le guide, on lui demande, on espère qu'ils ne savent pas nager. Notre pirogue a une panne moteur et à un moment, on voit ça. On voit le singe qui avance. On se rend compte en fait que l'eau est très peu... On était tétanisés. C'est oh my god, quelle expérience. Et pile poil le moment où le singe s'est approché d'ailleurs, le monsieur a pu remettre en marche le moteur. Ah non non non, vraiment. On s'est vraiment cru dans un film, la planète des singes. Il manquerait plus que le singe se mette à nous parler et là je vous jure, on allait tomber dans les pommes. Donc on a réussi à repartir. Là, je vous montre le paysage de la mangrove. Ah oui, 1h30 quand même. Hein. Le départ de Douala pour arriver à Edea, super long. Et le retour, on a mis 2 heures. Donc là, c'est la plage blanche, où on a pu déjeuner. D'ailleurs, ils vous pêchent le poisson sur place et ils vous le grillent. Moi, vous savez déjà, je ne mange pas les animaux, donc j'ai mangé des bananes plantain. Mais pour ceux qui mangent du poisson frais, ils vont le pêcher pour vous et vous le cuisinez. Là, on a eu une visite de la toute première église qui a été construite au Cameroun. C'était assez édifiant, c'était vraiment intéressant. Il nous a raconté l'histoire en fait des premiers prêtres qui sont arrivés et ça nous a édifiés. Là, c'est moi dans l'eau hein, pendant notre pause. Et nous sommes sur le retour à la maison. Donc là, je vous montre un peu comment je me suis préparée pour le 31, les fêtes de fin d'année. J'ai fait mes ongles moi-même. Donc si vous voulez vraiment plus d'infos sur comment je fais mes ongles, go sur Instagram, parce que j'ai mis tout dans le détail. Donc là, on arrive pour notre 31 à la LVB. Comme je vous ai dit, on a fêté le 31 décembre à la LVB. Les lumières, tout était vraiment magnifique, bien organisé. Si je devais donner une note à cet événement, je donnerais la note de 7. Dans le sens où tout était très bien organisé, on est dans un magnifique cadre, très propre, très beau, c'est la LVB en même temps. Mais j'ai trouvé que la clientèle était assez âgée. Voilà, nous on est dans notre vingtaine, début trentaine. On était quand même avec des gens qui avaient 40, 50 ans. Donc voilà, on a senti le gap. Mais c'était un très bel événement, les feux d'artifice. J'ai vraiment passé une agréable journée avec mes amis, ma famille. C'était cool. On est arrivé les premiers à la discothèque. On voulait vraiment avoir les meilleures places. Parce que déjà au karaoké, on n'avait pas de place. On est resté debout dans le froid. Donc là, vraiment, regardez, on est arrivé en premier. Il n'y avait personne. On s'est dit non, là, on va avoir notre table. Donc je vous montre un peu à quoi ressemble la discothèque. Très jolie discothèque. L'espace, la clim, les boissons. C'est 2024, on est content. J'espère que cette vidéo vous a plu.